Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Yaakov ben Phoebe, Zohan Levara, de mémoire bénie. Il y a un grand rabbin français qui s'appelle Rav Moshe Aryeh Bamberger. Bamberger, c'était Bamberger à l'origine. On l'appelait Bamberger. Et Bamberger aussi en français, ils l'ont appelé Bamberger pour finir. Mais c'est bon à l'origine. C'est pas le banc du berger, c'est le Bamberger. Il était Rav de la communauté de Metz. Metz, c'est un petit communauté de rien du tout, aujourd'hui c'est vrai. Mais à l'époque, il y a 800 ans, c'était une communauté énorme. Il y avait là-bas un des grands rishonim qui s'appelait Rabbi Eliezer. Dans le monde des Chouettes, il appelle Mitz, parce qu'il s'écrit Metz, alors ils disent Mitz. Rabbi Eliezer de Mitz, Sefer Yireim. Il y a eu des grands achronim aussi, le Shagat Aryeh, qui était un grand chacham, le Avotel Gershounis, un grand posek, qui était aussi à Metz. Et donc, après la Shoah, cette communauté était très très petite, et l'Arbon Berger est devenu rave de cette communauté, pour essayer de la remonter un peu le niveau. Bon, ça reste une petite communauté, et le rave, il a reçu la sale maladie, Hachem est mort. Bon, Hachem, il a guéri, mais quelques années plus tard, il est mort d'un coup d'un AVC. Et là, la question s'est posée, sur Zohan Livracha. La question s'est posée, où est-ce qu'on l'enterre? Les enfants commencent à discuter. Il y en a qui ont dit, on va l'enterrer. C'est bien d'être enterré avec ses parents. Tombeau des parents, c'est bien d'être enterré là-bas. À l'époque, les gens étaient enterrés en famille même. Ils faisaient une grotte, et puis il y avait plusieurs sous-grottes, et on mettait toute la famille là-bas. Et son père était enterré à Anvers. Alors, ils se disent, on va l'enterrer là-bas. D'autres ont dit non, vu que lui, il a rénové le cimetière de Metz, et était à la communauté. Ce serait bien qu'on l'enterre d'après, à côté des tombes des grands rabbanim qui sont enterrés là-bas, tels que Shagat Aryeh, Abdel Fattah Gershoni, tous ces rabbanim dont j'ai parlé. C'est un grand honneur d'être enterré à côté d'un grand tzaddik. D'autres ont dit, non, Yann Mitzvah, c'est écrit à Kol Alin Yerushalayim. Tout le monde monte à Jérusalem. On va l'enterrer à Jérusalem. C'est le meilleur endroit au monde, près de la Shrina, près de la présence divine, résurrection des morts. Très bientôt, on se lève tous, on est sur place, pas besoin de... C'est écrit que ceux qui sont à l'étranger, ils devront souffrir pour arriver ici en terre d'Israël. Bon, discussion. Qu'est-ce qu'on fait? On va demander la HLA à un grand. Qui est le Rav Shteinman? Zatzal, on va le Rav Shteinman à Bnei Brak. Et ils disent, voilà, on a quatre options. Anvers, Metz, Jérusalem, ou dernière option, Bnei Brak. Car enfin, aucune bonne raison qu'ils soient enterrés à Bnei Brak. Le Rav dit, très bien. Qu'est-ce qu'il y a de mal à être enterré à Bnei Brak? Enterrez-le à Bnei Brak. Ils sont super étonnés. Il n'y a aucun avantage. Encore Jérusalem. Anvers, on a les rabbanim, la communauté, les parents. Metz, la communauté, les rabbinés, mais Bnei Brak avec tout le caveau de Rav Shteinman, ok, bon. Le Rav, il a dit, on écoute le Rav. Ils vont là-bas aux pompes funèbres pour commander la tombe, et tac, le nom du Rav apparaît. Il a acheté une tombe à Bnei Brak. En fait, quand il a eu la maladie au début, il s'est dit, on ne sait jamais ce qui peut se passer, je ne vais pas prendre ça coûte beaucoup d'argent pour mes enfants, j'achète la tombe. Si je leur dis, tout le monde commence à paniquer, papa, tu vas mourir, tout ça, donc je leur dis rien. Et si jamais la maladie revient et je vois que ça ne va pas, alors là, à ce moment, je leur dirai. Mais vu qu'il est mort d'un AVC soudain, de façon très soudaine, il n'a pas pu leur dire, donc personne ne savait. Comment, quand tu écoutes un grand, tu vois le Rav, un chamaïm comme ça, ils l'ont dit, Bnei Brak. Et c'est assez stupéfiant chez les grands, comment du ciel on leur mon voisin il est très proche du Rav Shteinman, enfin il était très proche du Rav Shteinman. Maintenant il va chez le Rav Chaim Kanievski tous les jeudis soirs. Il m'a raconté dernièrement, il m'a dit que c'est marrant parce que un jour un couple est venu chez le Rav Kanievski poser une question et le Rav a répondu. Le lendemain il y a un autre couple qui vient avec la même question. Il a répondu tout le contraire. Alors, le petit-fils, il a dit, je comprends pas, ça va, mon papa. La même question, une fois tu dis comme ça, une fois tu dis comme ça. Allez, mon petit-fils, je l'ai déjà expliqué souvent. Les paroles que Dieu me met dans la bouche, c'est ce que je dis. Donc, eux, ils voient des choses, ils sentent des choses. Je sais pas, si j'étais un grand, je voudrais comment ça se passe. Je suis pas un grand, hélas. Ils voient des choses. De là, c'est important d'aller voir les grands parce que on sait qu'on est, même si c'est pas un mahalar, c'est pas un processus de Ruach HaKodesh. Quand on va voir un sage d'Israël, il y a une Siyata Dishmaya, il y a une aide du ciel. D'accord? Et c'est écrit qu'un grand Torah est plus grand qu'un prophète. Un prophète, il voit tout. Chazal nous dit, les sages d'Israël disent qu'un sage d'Israël, c'est plus grand qu'un prophète. Donc, on doit bien s'imprégner de cela. Très souvent, des gens m'écrivent, je veux voir un kabbaliste,
qui kabbalise, quoi, va voir les grands d'Israël, d'accord? Même s'il n'a pas War Kodesh, d'habitude, ils ont War Kodesh, ils ne le disent pas. Par Rav Steinman, je l'ai convaincu que personne n'est au courant, j'ai lu maintenant un peu, je raconte quelques petites histoires ici, j'en ai raconté aussi hier et avant-hier, il avait War Kodesh. Mais il ne disait pas, ce n'était pas des choses, surtout dans le monde lituanien, on n'aime pas trop montrer des choses pareilles. Donc tout était caché comme ça. Et ils tranchent comme il se doit. Mais même s'ils n'ont vraiment pas War Kodesh, vu que ce sont des grands Torahs, ils sont imprégnés de Torah, on appelle ça Dat Torah. Et quand ils tranchent vraiment Hashem Shamayim, parce qu'ils veulent vraiment faire le bien sans aucun intérêt, du ciel, on leur fait donner la bonne réponse. Baruch Adonai, l'Olam, Amen, Amen.